ربي بما يسره أزال غرب جاء لجاي عدل من بالله خل جاء ربي بما يسره أزال غرب جاء لجاي عدل من بالله خل جاء ربي بما يسره le district après le mois d'octobre rose où de nombreuses femmes ont été dépistées présentant des lésions soit suspectes ou carrément confirmées d'améliorer la prise en charge de ces femmes. Déjà pendant le mois d'octobre rose, l'équipe était déjà là pour former le personnel dans le dépistage, améliorer aussi la qualité de la prise en charge et du dépistage globalement, mais surtout faire des activités de sensibilisation par rapport à la prévention primaire qui est la vaccination contre l'HPV, mais aussi de la sensibilisation par rapport à la promotion de la santé reproductive, mais surtout prendre en charge ces femmes qui ont malheureusement eu à avoir une infection ou des lésions pré-cancéreuses ou carrément cancéreuses. Donc vraiment, vous souhaitez la bienvenue à Touba et vous rassurez de l'engagement de toute l'équipe à vous accompagner pour vraiment éliminer le cancer au Sénégal c'est-à-dire en termes de promotion de la santé, de prévention, que ce soit primaire ou secondaire, mais aussi tout ce qu'il faut pour amener la population à adhérer à toutes les politiques liées à lutter contre le papillomavirus. Oui, je pense que comme j'ai dit, hein, c'est surtout la prévention primaire avec la vaccination des jeunes filles pour vraiment leur éviter de faire l'infection HPV, mais aussi les femmes qui ont dépassé l'âge d'être vaccinées, d'aller se faire dépister très tôt et de systématiser le dépistage pour une prise en charge précoce de lésions, si toutefois, d'infections ou de lésions, si toutefois, c'est ça. En fait, nous apprécions cette initiative à sa juste valeur, parce qu'on en a besoin. Rien que le renforcement de capacité des sages-femmes suffisait largement que cette équipe se déplace au niveau local, mais aussi, ils appuient dans la prise en charge, donc on ne peut que les remercier, les encourager à perpétuer ces genres d'activités au niveau de sur tous les temps.
C'était passé l'année dernière, cette année ils sont repassés pour aujourd'hui. Seulement la particularité à Touba, c'est qu'il y a une formation qui est intégrée. Donc appuyée par nos partenaires, le DKT, pour les chercheurs sur le dépistage et l'entraînement des lésions précancéreuses et aussi sur l'aspiration mandibulaire territoriale. Donc c'est ça l'essentiel de l'agenda d'aujourd'hui et de demain. Donc sur ce, je vous remercie encore d'avoir voulu nous recevoir aujourd'hui. C'est justement un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est vrai que c'est la deuxième fois que vous venez au niveau de l'hôpital. Et comme je vous avais dit l'année dernière, vous êtes chez vous. Donc, le volet qui nous intéresse le plus, c'est la formation. Nous insistons beaucoup sur la formation des agents, que ce soit le personnel paramédical, que ce soit le personnel médical, général, les médecins généralistes comme les médecins spécialistes. Et donc, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Et nous allons également vous appuyer. Et nous continuerons en tout cas à collaborer ensemble pour la réussite de ces activités au niveau de Touba. Vous avez un bon point focal, c'est le docteur Diop. Je pense qu'il est pionnier dans cette activité au niveau de Touba. Et il mène beaucoup d'activités de formation au niveau du district, au niveau du département de Mbacké. En tout cas, merci beaucoup et bienvenue. Merci.